Gallot, notre délégué départemental de l'Association française de la myopathie. Alors, on voulait simplement d'abord vous dire merci. Merci d'être tous venus ce soir à cette soirée du Téléthon. C'est un grand plaisir. On est tous pour la même cause, pour essayer d'avancer dans cette recherche pour ces maladies qui touchent tous ces enfants, ces maladies incurables qui nous font tant mal et qu'on n'arrive pas vraiment à guérir. Mais vous allez voir, Michel vous dira un petit mot tout à l'heure, et on est vraiment en train d'avancer. Alors, sur Sévéra, je crois qu'on doit vous dire avec Lucienne qu'on est très content par rapport à l'an dernier, parce que le Téléthon a vraiment pris une dimension cantonale. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant tout notre canton qui est sur le Téléthon. Et d'ailleurs, on doit à ce titre, quasiment, on a 20 manifestations sur le canton cette année, 20 manifestations pour le Téléthon. Et on les doit notamment à l'implication des communes du canton. Et je voudrais en premier remercier tous les maires du canton qui ont bien voulu s'impliquer, qui ont bien voulu nous désigner un élu référent. Et c'est grâce à travers les maires du canton et leur conseil municipal qu'on a vraiment pu étendre et qu'aujourd'hui on est à 20 manifestations. Alors merci à eux. J'ai pris un petit papier pour oublier personne. On voulait vous dire avec Lucienne qu'on a aussi augmenté un petit peu notre équipe, puisque Philippe Sabatier et Claudie Molinier sont venus nous rejoindre, donc on commence à former une petite équipe. J'espère qu'on n'a rien oublié, on s'en excuse si c'est le cas. On est vraiment très très heureux que le Téléthon se soit étendu à l'ensemble du canton, et on est très heureux de cet élan de solidarité dans le canton de Sévérac-le-Château. Alors, mesdames et messieurs les élus de notre département, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les membres des associations, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, les bénévoles, tous ceux qui sont ici, présents ce soir, sachez que pour moi, c'est une grande joie, d'une part, d'être ici. Car il y a un an, je ne vais pas dire jour pour jour, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, j'étais venu vous voir parce que c'était la première animation du Téléthon, enfin, première nouvelle animation du Téléthon à Sévérac, qui malheureusement, pendant des années, avait été privé d'une animation parce qu'il n'y avait pas de responsable. Et je crois que si aujourd'hui c'est fait, je vois l'évolution et je vous en remercie au nom des malades, au nom des parents de malades, au nom de notre présidente de la FM, Laurence Thiel-Werman. Voilà, chers amis, tout notre avenir est nourri d'espoir aujourd'hui parce que nous avons et les outils, nous avons les chercheurs. Il nous faut continuer à les financer, il faut qu'on continue à avancer, parce que c'est pour le bien du plus grand nombre, si vous voulez, de nous tous. Et je voudrais terminer en vous disant que cette année 2014, ben nous avons été lauréats au niveau national de la grande cause nationale. Ça veut dire qu'au niveau de l'État français, on nous a qualifié, notre mouvement associatif, c'est vous, notre mouvement associatif, a été qualifié lauréat de la grande cause nationale, et donc je pense que ça, si vous voulez, ça mérite d'être apprécié et je dirais applaudi. Thank you.
See you.